C'était également un militant intransigeant qui était engagé résolument, sans jamais faiblir, sans jamais reculer. Et sa plume a été une arme redoutable vis-à-vis de l'adversaire. Car quand on refait la rétrospective des écrits qui ont paru et du travail intellectuel qui a été fait pendant la guerre de libération nationale, il faut savoir que pratiquement tous les grands documents qui ont circulé, qui ont été rédigés pendant la guerre de libération, Reza Malek était toujours présent. المساهمة الأساسية في اعتقادي فيما يخص الأكاديميين والطلبة والفكر السياسي الجزائري هو أن رضا مالك ساهم مباشرة في إرساء بما يسمى العقيدة تاع الدبلوماسية الجزائرية الهوية. لأن هذا الإشكال مازال مطروح عند المعارضين بين العقيدة والهوية ليدونتيتي إشكالية الهوية تاع الدبلوماسية الجزائرية كيف ركبت كيف صيغت كيف وصلت إلى هذه الدرجة والجزائريين يهضروا بكل تلقائية يعبروا على نفس الموقف في السياسة الخارجية هذا ما جاش تلقائيا هذه تراكمات سي اي تشعلا لا بارلي دو سون رول دون لي نيغوسياسيون avec les américains entre les iraniens et les américains puisque cette discussion était menée en partie par les algériens et à leur tête Reza Malek il y avait un témoignage que m'a fait en personne le secrétaire d'état américain à l'époque Warren Christopher, qui m'avait dit au cours d'une réception, je l'ai vu à Washington, et il m'avait dit « Jamais l'Amérique n'oubliera le rôle joué par M. Reza Malek. » Le message de Reza est toujours, je pense, présent chez beaucoup. Et ce message, c'est quoi? C'est la continuité dans le mouvement national. C'est ça. C'est une Algérie libre, forte, debout. C'est ça la ligne directrice. Et c'était un homme qui a réfléchi à ces problèmes. Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est Moussa, oui, ou là, c'est Mesoud, ou là, c'est Zoué, oui. C'était un homme qui était sincère et qui mettait en œuvre ses convictions. طول السنوات اللي عرفت فيها واشتغلت معاه في مراكز حساسة وفي يعني في في جو انت ثقة كامل بيني بينه تعلمت منه الكثير وانا امنيتي هو هذا رجل ملك اللي تعرفه كل الناس من الجوانب الاخرى احنا كصحفيين او كاعلاميين نزيدوا نعمقوا تفكيرنا وبحثنا باش نعطوا القيمة اللي يستحقها